Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Coucou tout le monde, donc je crois qu'aujourd'hui on est le 5 décembre et je vais partir en cours, mais en fait j'ai qu'une heure d'espagnol ce matin, donc de 8h à 9h, et après j'ai une heure d'anglais de 14 à 15h. Donc je vais en cours pour une heure, très clairement, enfin pour deux heures. Mais je vais revenir entre deux et là je vous parlerai un peu. Donc écoutez, je vous fais des bisous et on se retrouve tout à l'heure. Bon bah vraiment, mes parents ont acheté le sapin. Je suis refaite, je pensais qu'on l'achèterait genre ultra tard comme les autres années. Et non, bah je suis contente les gars. Coucou les gars, donc là je suis rentrée des cours, il doit être 10h, ce matin je me suis pas maquillée comme vous pouvez le voir parce que voilà, j'y allais que pour une heure, puis je me suis dit que ça valait pas trop le coup. Franchement, depuis cette année j'arrive à vraiment aller au lycée sans me maquiller ou quoi, je vous conseille vraiment de le faire, ça te sent beaucoup mieux et tout. Alors c'est vrai qu'il y a plein de gens qui assument pas leur visage sans se maquiller, donc perso je mets juste de l'anti-cerne et tout parce que j'ai quand même des boutons et du correcteur. Mais voilà, je considère que le teint c'est pas forcément énormément se maquiller. Mais je vous jure, à la fin de la journée, vous êtes souvent mieux que les autres gens qui ont leur maquillage qui est parti à moitié et tout. Enfin bref, vous m'aurez compris. Donc là, je vais faire mon montage d'hier parce que je l'avais pas fait. Donc vous aurez normalement déjà vu cette vidéo. Bon, comme ma mère ne regarde pas mes vlogs, je vais en profiter pour mettre un peu de son parfum sur mon manteau pour qu'il sente assez bon. Voilà, j'espère vraiment qu'elle va pas regarder ce vlog, sinon je vais me faire tuer. Coucou les gars, donc comme vous voyez, je me suis toujours pas remaquillée, même si je pars, j'ai déjà mon manteau. Voilà, j'ai un peu la flemme de me remaquiller, même si ça me fait des petits yeux. On s'en fiche, j'ai que une heure de cours. Ouais, j'ai que une heure de cours, donc je vais juste en anglais. Je voulais juste vous parler d'un petit truc, c'est une chaîne YouTube qui m'a contactée pour me proposer d'utiliser en fait leur musique en quelque sorte pour mes vlogs et tout. Enfin bref, on a un peu discuté et tout. Chaîne YouTube qui s'appelle Elis Music, je ne sais pas du tout comment ça s'écrit. Évidemment, il y aura le lien en barre d'infos. Ce qui est cool, c'est qu'ils font leur propre mix, donc moi personnellement, ils m'en ont envoyé des assez chill et tout pour pouvoir mettre dans mes vidéos, donc je vais les utiliser dans mes vlogs. À chaque fois, je vous dirai quelle musique j'ai utilisée et tout. Donc si ça vous intéresse de les avoir ou de les réutiliser, contactez-les franchement et allez voir leur chaîne, ils font des musiques dans tout style. Je vous mettrai évidemment le lien et je voulais les remercier de me laisser utiliser leur musique pour les vlogs parce que je pense que pour toutes les personnes qui font des vidéos sur YouTube, même sur Insta ou quoi, ils sont en même galère que moi, c'est-à-dire trouver des vidéos sans droit d'auteur, et j'aime pas du tout utiliser les mêmes musiques que tout le monde, les mêmes voilà, là j'utilise juste des musiques de Noël pour mettre un peu d'ambiance, mais je préfère des musiques un peu originales. Je pense que vous aurez déjà remarqué ça dans mes autres vlogs. Donc là je vais partir chez Marie pour que ses parents nous emmènent en cours. Voilà, j'ai pas du tout envie d'aller en anglais, mais je suis obligée. Donc voilà, écoutez les gars, suivez-moi. Coucou les gars, donc je suis rentrée des cours et donc là je me suis pris mon petit café comme tous les jours et je voulais vous parler de ces petits chocolats. Donc je sais pas si vous voyez Marie, vous la voyez souvent dans mes vlogs, elle travaille dans une fabrique de chocolat aussi pour aider la mère d'une amie qui a un magasin à Rouen. Donc je vous mettrai le nom de son magasin en barre d'infos et elle m'a ramené un petit chocolat, donc je me suis dit que j'allais le goûter avec vous et vous dire si j'aime bien ou pas. Mais bon, j'adore le chocolat donc je pense que je vais aimer. Mais bref, si vous recherchez des chocolats pour les fêtes, bah elle fait tout elle-même, c'est de bons produits et tout. Enfin, vous imaginez, voilà, voilà. Déjà, le café, c'est vraiment toute ma vie. J'adore ça. Je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi. On goûte le petit chocolat. Oupsi. Ça a le goût de Noël. Genre, vraiment, c'est aux 4 épices, je crois.
Et je sais pas quel 4 épices c'est, bah je dis soit 4 épices, mais ça a vraiment le goût de Noël, les gars. Moi, je vous conseille vraiment. Bon, de toute façon, vous doutez bien que j'allais pas dire que c'était pas bon, mais là j'aime vraiment bien. De toute façon, si j'avais pas aimé, je vous en aurais pas parlé. Voilà, voilà. Donc c'est cool, enfin, je fais pas, c'est pas du tout un partenariat ou quoi, hein. c'est juste un petit cadeau qu'elle m'a fait. Mais je sais que ça lui fera plaisir que je parle de ça et tout, donc voilà, voilà. Je vais finir. Ça se retrouve plus tard, les gars. Les gars, je suis au bout de ma vie. Je viens d'écrire une copie d'eau pratiquement pour expliquer pourquoi les nazis utilisaient des euphémismes dans leurs écrits, alors que moi-même je ne connais pas vraiment la réponse. Ça s'appelle broder. J'adore l'histoire, j'adore les trucs sur la Seconde Guerre mondiale, enfin, c'est pas que j'adore, dans le sens, je trouve ça bien, heureusement d'ailleurs. Mais je pense que c'est vraiment ultra important, mais c'est tout rouge là, d'apprendre ce qui s'est passé dans le passé, vous voyez, pour retenir les erreurs, parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a plein de gens qui font les mêmes erreurs que d'autres ont fait à l'époque, et on voit comment ça s'est terminé avec la Seconde Guerre mondiale, enfin bref. C'est pas trop le sujet de la vidéo, mais voilà, c'est grave cool, mais bon. J'arrive qu'à travailler ce soir, alors là il est 23h, donc je vais vous dire bonne nuit, les gars.